Goncalves. C'est comme ça qu'on dit ? Tout à fait, Goncalves, c'est ça, tout à fait. Oui. Alors Quentin fait un tribute à Grégory Lemarchal. Il est unique en France. C'est vraiment exceptionnel d'ailleurs, je pense, de l'avoir ici à Crépin, hein, dans notre petite localité. J'ai fait le vœu de te garder aussi libre que moi, aussi libre que moi, aussi libre. Quentin, pourquoi ce tribute et Grégory Lemarchal ? Alors Grégory Lemarchal, c'était pour moi un de mes premiers idoles. Je l'écoutais quand j'avais 4 ans à la Star Academy, à la saison 4. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a donné l'envie de faire de la scène, qui m'a donné l'envie de chanter. Et j'ai démarré mes concours sur des chansons de Grégory. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, j'ai décidé de poursuivre ça et d'en réaliser un spectacle. Voilà. On se ressemble alors que tout paraît nous séparer. Mais la distance est familière depuis tellement d'années. Ce soir, on rira de tout, jusqu'à en pleurer, jusqu'à nous. Il n'y a qu'un pas, un peu de terre, de l'ombre à la fin du jour. Pour ceux qui sont pas là, bah, vous savez pas ce que vous avez fait. Vous verrez quelques images grâce à James et TV Crépin. Et puis peut-être qu'une prochaine fois on le refera et cette fois-là vous serez là. En tout cas, il y a une bonne ambiance, ça se passe bien. Et puis bah, vous verrez les images, vous en aurez plein les yeux. Ciao. Et lui, c'était Bruno. Alors Bruno, il s'occupe de tout. Grâce à lui, la fête à Crépin et la fête de la musique, eh ben, elle est toujours nickel. Merci Bruno. De rien, James. Je pense que ça vaut le coup de continuer à faire vivre le spectacle vivant, à venir voir, on avait du spectacle avec des vrais musiciens, avec des vrais chanteurs à voix, et je pense que c'est très important, abandonner de temps en temps les tablettes, les écrans de télévision, et venez au spectacle vivant. Faites à tous ceux qui font de la musique et amusez-vous bien. Et toi ? Toi aussi ? Pourquoi je crie ? Pourquoi je pleure ? Je crois capter les ondes venues de notre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Je me mets à mes os. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'ombre.